amusant de jouer dans la neige. Je sais, j'adore l'hiver. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il fait si chaud? Hein? Où est passée toute la neige? Y a pas à dire, rien ne vaut l'été. Hein? On a besoin de ton aide, Johnny. Il fait beaucoup trop chaud. Cathy, j'ai du mal à t'entendre, mais t'inquiète pas, je vais t'envoyer de l'aide. Salut, Johnny. Les amis, j'ai des problèmes d'approvisionnement en énergie. Il y a quelque chose qui se passe avec la météo. Vous devez réparer ça. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. On va s'en occuper. Non, Bob! Allez, Winifred, il faut l'aider! On dirait qu'il a eu un coup de chaud. Tu peux lui verser un peu d'eau? Bien sûr. Merci, les amis. Je sais pas ce qui s'est passé, il a fait super chaud tout d'un coup. C'était bizarre. Quelle belle journée ensoleillée. On dirait que quelqu'un profite du temps chaud. Concentre-toi, Draco. Nous devons aider Rhinotrex. Est-ce que tu vas bien, mon pote? Mais la chaleur me fatigue beaucoup. Je n'ai presque plus d'énergie. Ne t'inquiète pas, nous savons quoi faire. Hein? Nora, nous avons besoin de ton aide, vite! Est-ce que tout va bien? Il n'y a pas d'électricité et cette chaleur fait des dégâts aux Animacars! Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper. Tu retrouveras ton énergie en un rien de temps. Oh non! La centrale électrique ne fonctionne pas! Qu'est-ce que ce câble fait là? On devrait le suivre pour voir où il mène. Ça vient de la machine de Vicky! C'est pour ça qu'elle était si heureuse dans le parc! N'essayez même pas, Animal Loser. Je suis la seule à pouvoir contrôler la machine. Nous devons récupérer cette télécommande, Willifant. Ah, c'est de ça que tu parles? Alors viens la chercher. Nous devons être plus rapides. T'as raison, mon pote. Il nous faut de l'aide. Draco, c'est bien toi? Johnny, j'ai besoin de ton aide pour attraper... Qu'est-ce qui se passe, Dracodile? Au secours, Johnny, au secours! Ne t'inquiète pas, activation du Power Up! Maintenant, tu vas voir ce que tu vas voir. Je ne peux pas continuer avec cette chaleur atroce. J'arrive, Draco. Vous ne m'attraperez jamais. On dirait que je viens de le faire. Ah, où pensais-tu aller comme ça? Allez, Vicky, il est temps que les choses reviennent à la normale. D'accord. Vous allez payer pour ça.
Oh, c'est étrange, d'où viennent toutes ces bulles? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, comment je vais sortir de là? Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Bob! J'ai été piégée dans une bulle mystérieuse quand je l'ai touchée et la ville en est pleine! Tout le monde sera piégé! Ne t'inquiète pas, les secours sont en route! Salut, Johnny! Tiger, Batfly, j'ai une mission pour vous! Hurra! Une mission? Dis-nous, chef! La ville est pleine de bulles et Bob et les autres citoyens sont piégés dedans. Vous devez vous débarrasser d'elles, mais vous ne pouvez pas les toucher. C'est très important. Ne pensez même pas à les toucher, d'accord? Pas de problème, Johnny. Bien reçu. Ok, les amis, il n'y a pas de temps à perdre. Johnny avait raison, il y en a des tonnes. Mais je ne vois Bob nulle part. Léa, ne fais pas ça. Nous devons les aider. Hé, pourquoi tu as fait ça? Johnny ne nous a pas dit de ne pas toucher les bulles. Oh, c'est vrai. J'avais oublié. Nous devons trouver un moyen d'éclater les bulles sans les toucher. Mais comment? Fais de la place, Satan. Prépare-toi à une épreuve de force. Et c'était ça, ta grande idée? Tu as trouvé quelque chose de mieux, génie? Du vent! Ok, il faut que nous fassions très attention. Justement, à propos de ça... Je suis désolée, Tiger. Oh non! Je dois trouver un moyen de traverser cette folie savonneuse. Je suis un tel génie. Les nouvelles bulles expérimentales sont un grand succès. Et grâce à cette aiguille atomique, je suis la seule à pouvoir les faire éclater. Combien de fois avez-vous entendu ça? Oh non! Allez, Tiger, tu peux le faire! Johnny! C'est Vicky qui était derrière les bulles. Et elle a la seule chose qui les fait éclater. Il faut que je l'attrape. N'en dis pas plus, Tiger. C'est l'heure du Power Up. Allons-y. Yeah. C'est terminé, Vicky! Dans le mille! Allez, faut pas que tu le prennes comme ça! On a plein de bulles à éclater! Ok, il faut que je vise correctement. En plein dans le mille. Merci, Tiger. T'as été génial. Si tu le dis, Batfly. Je pense que nous en avons fini. J'ai comme l'impression que nous oublions quelque chose. Quand est-ce qu'ils vont venir? J'ai appelé il y a un moment déjà.
vraiment mal, Boulens. Nous avons une urgence à gérer. Il n'y a rien que nous puissions faire, Joe. La route est complètement bloquée. Cathy était vraiment inquiète quand elle a appelé. Ed doit être vraiment malade. Je vais demander de l'aide, Boulens. Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Joe. Boulens et moi étions sur un appel d'urgence. Mais la route est bloquée. Nous avons besoin d'aide. Bien reçu, Joe. L'équipe de secours est en route. Bonjour, chef. Quelle est la situation? Tiger, bulldozer, vous devez dégager la route de la ville pour que Boulens et Joe puissent répondre à un appel d'urgence. Très bien, Johnny. Nous serons là dans un instant. Allons-y! Joe, l'équipe de secours est là. Oui, nous sommes sauvés. Ça ne va pas être une promenade dans le parc. Bulldozer, tu penses que tu vas pouvoir soulever tous ces tuyaux tout seul? Bien sûr, il n'y a rien que le taureau ne puisse tirer. Super, voici le plan. Tu soulèves les tuyaux et tu les écartes du chemin. Et ensuite, je vais dégager la circulation pour que Joe et Boulens puissent se rendre au restaurant de Cathy. Qu'en penses-tu? Ça me semble bien. Ok, alors on s'y met, mon grand. C'était très impressionnant. Ces petits tuyaux, c'est vraiment rien, Boulens. Ok, à mon tour. Allez, les amis, je vais vous dégager la circulation. Allons-y! Attendez, je viens aussi. Libérez le passage, libérez le passage! Les secours arrivent! Génial, Boulens! On sera au restaurant de Cathy en un rien de temps! Rhinotrox, écarte-toi! Il faut qu'on passe! Très bien, Tiger! Attends! Mets-toi sur le côté! Le feu va devenir rouge! Hein? Quoi? Allons-y! Oh non! Ils ont pas l'air bien! Je vais aller les voir. Oh, ils vont s'en sortir tous les deux, mais nous devons les emmener à l'hôpital. Boulens, il faut que tu ailles tout de suite au restaurant de Cathy pour voir comment va Ed. Et je vais m'occuper d'eux. Ok, Joe, j'y vais de ce pas. Oh, un appel de Cathy? Qu'est-ce qui se passe, Cathy? Joe, où es-tu? Ed va de plus en plus mal. On a besoin de toi tout de suite. Oh non! Ed, arrête! Je dois te laisser, Joe. Ed essaie encore de se baigner dans la crème glacée. Mais que va-t-on faire? Ne t'inquiète pas, Joe. J'ai un plan. Bulldozer, tu dois aider Joe à emmener Rhinotrox et Démolizar à l'hôpital. Très bien, Tiger. Et pour Ed, Boulens doit se rendre très rapidement au restaurant. Laisse-moi faire, Joe. Je dois juste passer un coup de fil. Salut Tiger, comment se passe la mission? Johnny, j'ai besoin de ton aide. Ed se sent de plus en plus mal et Boulens doit aller au restaurant rapidement. Ok mon ami, je vais te donner un coup de pouce. Turbo et monstrueuse roue, c'est beaucoup mieux. Tiens bon, Boulens, et tente de ne pas vomir. Quoi? C'est parti! Waouh, ça a l'air amusant. Quel frimeur! Alors, comment tu te sens, Boulens? Ça va. Non, 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 non!
Ne t'inquiète pas, Boulens, on y est presque. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait mangé 20 glaces d'affilée. Ne t'inquiète pas, Cathy. Ed va s'en sortir. Quel soulagement. Merci beaucoup, Boulens. Bonne nouvelle, les amis. Je viens de parler à Bulldozer. Démolizar et Rhinotrax vont très bien. C'est super, Tiger. Maintenant, amenons Ed à l'hôpital pour que Joe puisse s'occuper de lui aussi. Repose-toi bien, Ed, et sache qu'une délicieuse glace t'attendra à ton retour. Je pense qu'il ne mangera pas de glace pendant un bon moment, Cathy. On a besoin d'aide! Le feu prend de l'ampleur! Super! J'ai du réseau! Je vais demander de l'aide! Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Bob! Cathy et moi sommes piégés dans un incendie! Nous avons besoin d'aide! Bien reçu! Les secours sont en route! Bonjour Johnny! Bonjour Johnny! Batfly, Willifant, il y a un incendie en ville! J'ai besoin de vous pour y aller et l'éteindre! Compte sur nous! On va le faire, Johnny! La mairie a pu prendre feu. Voici le plan. D'abord, on va sauver nos amis et on éteindra le feu plus tard. Je peux atteindre Cathy, mais Bob est trop haut pour moi. Tu peux t'occuper de lui? Pas de problème, mon grand. Aide-moi, Willifant. Le feu se rapproche. Oh. Ne t'inquiète pas, Cathy. Je vais te faire descendre. La voie est libre. Dépêche-toi de descendre avant que le feu ne reprenne. Est-ce que tu vas bien, Cathy? Oui, ça va. Merci beaucoup, Willifant. Je me demande comment va Batfly. Pas question, c'est trop haut. Tu vois, c'était pas si difficile. Batfly, Bob, je suis tellement content de vous voir. Tout le monde est en sécurité. Oui, maintenant éteignons le feu. Laisse-moi faire. Willifant, comment se passe la mission? Nous avons une urgence, Johnny. Ed était coincé dans la mairie et on n'arrive pas à le faire sortir. J'ai besoin d'un coup de pouce. N'en dis pas plus. Activation du power-up. Ah oui, c'est mieux comme ça. Batfly, trouve quelque chose pour m'aider à éteindre le feu. Bien reçu. Je m'occupe de Ed. Vite, Ed, sors de là! Oui! Maintenant, je vais m'occuper de ça! Bob,
pas de flingue, juste à temps. On a réussi. Oui, mais je me demande toujours comment ça peut arriver. Les amis, regardez ça. Attendez, la télécommande, le robot, le pistolet, méchant Mickey. Vous avez peut-être ruiné mes plans cette fois, Animafou, mais j'ai d'autres tours dans mon sac.